Eh bien salut tout le monde, c'est Augustus, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Ces derniers temps, je fais des lives tous les jours sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à venir sur les lives. Donc on fait l'émission du pass de combat, on fait quand même pas mal de top 1 et tout ça. Maintenant, on peut jouer avec toutes les plateformes. Donc voilà, je joue avec les joueurs PS4, Switch, Xbox, PC, n'importe qui, même mobile. Donc voilà, petit tuto, on va dire Fortnite. Et aussi l'occasion de parler de pas mal de choses. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la boutique, voilà. Soldat au crâne, je pense pas le prendre. J'économise pour autre chose, tu vois. Et donc voilà. Là, je vais vous montrer. J'ai vu pas mal de vidéos et dans les commentaires de certaines vidéos. Beaucoup de personnes ne savent pas comment on enlève la gravité sur Fortnite. Terrain de jeu, donc vous pouvez faire pas mal de mini-jeux et tout ça. Donc j'ai prévu de faire des vidéos tournées en live ou même hors live. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à venir sur les lives et à m'envoyer un message sur la Xbox. Voilà, mon pseudo c'est Augustino33. Envoyez-moi un message et on tournera des vidéos. Donc j'ai pas mal d'idées, je vais pas forcément tout vous spoil là. Donc voilà, donc terrain de jeu est ici. Moi je suis sur Xbox, donc c'est Y, enfin option de partie, vous y allez. Donc bienvenue, bien évidemment, il ne faut pas combler, il faut rester à 4 quoi. Donc les options sont là. Donc Fortnite a ajouté quelques options il n'y a pas très longtemps. Et dans ces options, il y a pas mal de trucs assez intéressants. Donc le plus intéressant ça va être la gravité. Donc moi je vous dis de mettre voilà, si vous voulez être faire des vidéos fun ou jouer juste avec vos potes et que ça soit assez fun, vous mettez très faible. Sinon il y a normal et faible et très faible. Moi je mets très faible, c'est vraiment fun. Dégâts de chute, moi je vous conseille de pas les mettre, de mettre non, parce que sinon vous allez mourir bêtement, quoi, vu que vous faites des sauts assez haut. PV à moitié, donc voilà. En fait, si vous voulez savoir, je compte vous faire déjà des vidéos par rapport à des armes. Donc, que ce soit chacun pour soi ou des équipes de deux. Et je voulais commencer avec des duels de sniper. Donc, duel de sniper, je ne sais pas encore les titres et tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Donc voilà, je voulais mettre bouclier vide, PV à moitié, donc on est à 50 de vie. Déposer les objets à l'élimination, donc à chaque fois que tu meurs, si tu veux garder ton arme, tu mets non. Dégâts de chute, non, très faible. Nuit, voilà, toujours montré, bon pas forcément, hein, mais moi je l'ai mis. Donc voilà, et tu acceptes, il faut valider. Donc voilà. Et après, tu te retrouves en game. On va enlever un requin d'igno, désolé à lui. Donc après tu te retrouves en terrain de jeu avec les options que tu as mis quoi. Et tu vas voir que la gravité est vraiment basse et tu te croirais sur la lune même, un peu plus abusé. Et là tu peux faire pas mal de jeux et tout ça. Donc vu que c'est assez nouveau, il n'y a pas énormément de youtubeurs encore qui l'utilisent. La plupart ils l'utilisent pour faire des mini-jeux et tout ça comme... Mister Virtuose, j'ai vu, il a utilisé. Il y a le Royaliste qui l'utilise pour faire des mini-jeux. Moi, c'est pas vraiment, je veux pas vraiment faire des mini-jeux. À part peut-être le truc qui peut être fun, c'est une course quoi. Une course, surtout il va y avoir les nouveaux véhicules et tout ça. Donc voyez les sauts que ça fait, c'est vraiment un truc de malade, regardez. Donc voilà, là j'ai mis les options 50 de vie. Vous voyez que je suis à 100, mais dès que je vais décoller du bus. Je vais être à 50 et à chaque fois je vais réapparaître. Donc voilà le petit tuto des options. Je sais pas si vous étiez au courant de tout ça. Bon après là tu mets un peu plus de temps quand même à descendre du bus vu que la gravité est beaucoup plus faible. Mais tu peux faire des trucs de malade. Les duels sont beaucoup plus fun que en normal quoi. Là c'est pas évident de se toucher. Donc là c'est très faible, hein. Tu peux mettre faible pour faire des sauts un peu moins haut quand même. Là c'est assez abusé, donc voilà. Vous allez voir hein, quand je vais atterrir, c'est vraiment n'importe quoi. Et en tout cas ce qui est bien c'est que tu traverses la map beaucoup plus rapidement quoi. Regardez les sauts que tu fais, t'as quasiment pas besoin de construire et tout ça.
Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était aussi l'occasion de vous parler et une petite vidéo annonce pour ceux qui veulent participer à des concepts comme ça, des mini-jeux. Donc je sais qu'il y en a, ils sont plus intéressés pour des games duo et section. Ça se passe en live. Si vous voulez jouer, ça se passe en live. Le micro est obligatoire. Donc voilà, je peux jouer avec n'importe qui, mais essayez vraiment d'avoir un micro, c'est très important. Donc voilà, tu vois, duel de snipe, tu peux faire des noscopes et tout. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire, des clips et tout. Parce que des duels comme ça au sniper, sachant que quand tu sautes, tu peux faire que des noscopes, tu peux pas viser. C'est un peu dommage quand même, parce que là t'as largement le temps de viser, mais bon. Donc voilà. On se retrouve demain ou ce soir pour une nouvelle vidéo. En tout cas, si vous voulez venir en live, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis voilà, vous allez me voir souvent en live et n'hésitez pas à venir faire un petit tour. C'était Augustus, ciao tout le monde.